Bonjour, le Festi-Concert prend sa revanche. Le 23 et 24 mai, la cinquantaine de musiciens et la soixantaine de danseuses de la batterie fanfare de Saint-Vincent-des-Landes fêtaient les 60 bougies de l'association. Un anniversaire célébré avec un an de retard. Le président de la batterie fanfare, Jean-Yves Ricordel, nous explique pourquoi. Je suis le président de la batterie fanfare de Saint-Vincent qui existe depuis 1948. Donc nous fêtons aujourd'hui les 60 ans de la batterie fanfare avec une petite année de retard. Cette petite année de retard, c'est la revanche. C'est la revanche contre la météo en fin de compte. En général, on fait un festival anniversaire tous les 5 ans. Le but était donc de faire une fête de la musique et de différentes musiques, différentes cultures musicales. C'est pour ça que là, vous pouvez voir un groupe de danse, musique bretonne, de danse celtique, harmonie également, et batterie fanfare, donc de différents styles. À partir de 5 ou 6 ans. Nous avons des familles entières de musiciens, les parents, les enfants, après c'est les copains, les amis, la famille, et l'ambiance. Moi j'y tiens absolument. Moi mon but c'est de gérer cette batterie fanfare, le côté associatif, l'ambiance, et c'est ça qui fait tout. Quand il y a l'ambiance, tout est gagné. Pour découvrir et applaudir la batterie fanfare, rendez-vous ce dimanche par exemple au Pouliguen, mais également le 14 juin à Saint-Vincent, le 21 juin à Moidon-la-Rivière, le 28 juin à Jouer-sur-Erdre. La batterie participera bien entendu au défi des cavalcades de la Saint-Laurent à Blain le 9 août prochain.